Bonjour, bonjour, bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre 2022. Je vais vous parler de Nicolas. Le troisième épisode, octobre. Ça commence maintenant. Un podcast France Culture. Les aventures de petit Nicolas. De René Consigné, Jean-Jacques Sopé. Réalisation, Baptiste Guiton. Octobre. Hier, j'étais le meilleur en classe parfaitement. La maîtresse nous a fait une dictée. Moi, j'ai eu 7 fautes. C'est lui qui me suivait. C'est Agnès. Et il qui a eu 7 fautes et demi. Agnès n'a pas mis l'accent sur les « où » où il fallait les mettre. Je suis sorti de l'école avec ma dictée sur laquelle la maîtresse avait écrit à l'encre rouge. Nicolas a fait la meilleure dictée de la classe. Très bien. Elle voulait comme d'habitude. À la boulangerie, regarder la vitrine et acheter du chocolat. Mais j'ai dit que je devais rentrer vite à la maison. Mais quoi? C'est parce que c'est le meilleur dictée. Tu veux jouer avec nous? Moi, je fais le meilleur. Je n'ai pas répondu à Alceste qui a eu 27 fautes d'erreurs en dictée. J'ai gâté le chocolat pour le dessert. C'est ce soir. Je vais chez mes papa. Mais c'était des dictées avec des mots terribles. Et puis ma maîtresse avait me félicité devant tous les autres et partait à la cuisine. C'est vrai, mon enfant. Mon papa ouvrait la porte, je courais avec la dictée. Rate, papa, ce que la maîtresse est aussi ma dictée. C'est très bien, mon bonhomme. Je suis le premier. Laisse-moi lire mon journal. Alors je suis allé dans la cuisine et j'ai dit à maman que je n'étais pas juste, que papa ne voulait pas garder ma dictée et je suis en colère à rien fermer. Nicolas, calme-toi. Papa est fatigué par son travail. Il va bien comprendre, va lui expliquer, va te féliciter. Chérie, Nicolas a très bien travaillé à l'école. Je crois qu'il va bien le visiter. Je lui félicite, je lui dis que c'était très bien. Ah bon, je vais retourner dans la cuisine. Tu vas aller lire, il m'a dit qu'il est terrible. Plus tard, mon chéri. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai dit à maman que papa ne voulait pas me dicter. Je suivis maman dans le salon. Ils sont prêts à faire attention plus après son succès aujourd'hui. Maintenant, ne dérange plus si j'entends jamais après. Avant, tu y vas aller m'a dicté. Oh là là, mais c'est difficile. Dis donc. Oh là là. Bravo. Il est patent, les oreilles. Patin, tout c'est bien. Tu m'avais promis des patins, je serai le premier de la classe. Écoute, Nicolas, on parlera de ça d'autre jour. Alors, c'est formidable. Tu promets les patins, je fais un meilleur dicté en classe. Ma maîtresse avait me félicité devant les autres. C'est temps de copier à l'école. Papa devait me donner les fessées. Le courage à l'enfant, décourager. Ah, quel patin! J'ai dicté avec une paire de patins. L'effort doit être récompensé. Je vais écrire un or pour récompenser si cette faute de photographe. Moi, je ne savais pas que mon papa était millionnaire. Il faudrait que je dise. J'ai frappé parce que ton papa était riche. Il veut la créer avec mon patin en or. Bon, si vous voulez que le repas soit prêt, laissez-moi tourner tranquillement dans la cuisine. Je dois aller chez mon patron qui va aller chez les clients. Oh mon Dieu, je n'ai pas porté cette chemise. Ah, bravo. Je me dis, je comprends la maison, je garderai la chemise que je porte. Bravo. Puis maman s'est mise à pleurer et papa l'a embrassé. Et moi, j'étais trop triste parce que ça me fait trop les mains de la peine que maman disait pas à table. Personne n'a pas parlé. Et les gâteaux, j'ai pris l'air de l'apprendre. Là où ça a été chouette, c'est où aujourd'hui. Je suis rentré de l'école avec un zéro pour mon problème de l'éthique. M'a dit, ça c'est mon grand garçon. Et je l'ai amené à mon cinéma. Comme il a dit, elle s'est installée de manger. On essaie d'acheter du chocolat à l'école. Papa et maman,
faut pas chercher à comprendre. Les aventures du petit Nicolas, troisième épisode. Maintenant, la suite, ce sera la quatrième épisode. La quatrième épisode, novembre. Donc, ça commence aussi. Quatrième épisode, ça commence. Maintenant. Un peu, deux minutes. Donne-moi un peu. Un moment, s'il vous plaît, un moment. Et ça commence maintenant, un podcast France Culture. Les aventures de Petit Nicolas. Nous allons continuer. Jean-Jacques Sopé. Réalisation, Baptiste Guiton. Novembre. J'ai invité les copains à venir à la maison cet après-midi pour jouer au cowboy. Ils sont arrivés avec toutes les affaires. Rafis avait mis la bande d'agents police qui allait revêtre son papa. Leur chapeau de gros frère avec des tanks tout en bois. La dent dans laquelle il avait des revêtres terrés. Et si c'était un avenir à Chambois, il avait son tête. Il semblait un gros poulet. Je crois qu'il m'est bien déguisé, il ne peut pas être très riche, il donne tout ce qu'il veut, il est habillé complètement cow-boy, avec des revêtres comme vous l'avez dit, des points terribles. Moi j'avais un masque noir qu'on m'avait donné pour ma dégras, mon visage fraîche, et mon frère, quand il vient de maman, elle était chouette. Bon alors voilà, moi je suis jeune homme, je veux que je ne parle pas. Vous acceptez, pourquoi c'est ça, moi jeune homme avec une tante comme le pied, je ne dois pas être le jeune homme et donc donne un coup de pied, je dirais shérif. Où est-ce que tu as vu le shérif avec un tapis? Il faut rigoler personne, il faut rigoler toutes les personnes qui comme s'habiller au Texas. Tu regretteras à donner le shérif. Je ferai tomber sur pâté, j'ai le réverbère avec la fête des têtes crémées est tombée en disant « Tu m'aigres, mais je serai vengé. » Moi, j'avais le temps de recul et il s'approchait de moi. Les cheveux blancs, c'est moi qui l'ai. Non, ici, c'est chez moi, c'est moi qui l'ai. Ah, j'ai un folle de gens. Qui est à Santa City, les vents des gens, on les prend. Minuit, tu ne peux pas les prendre. Les cerises chez moi. Puis quand on verra, est-ce qu'un pote se battre? Moi, je touche. Je donne un conseil à ta fils. C'est mon titi. Y'a qu'à c'est mon titi. J'ai une idée. Non, ce sera le bon. Alors, c'était la travée des Indiens. Il essaie de nous capturer. Il peut prendre un prisonnier. Mais nous, on arrive à aider les prisonniers. Alors, et puis, si ça ne te plaît pas, tu joues pas plus. Alors. Ah, s'il te plaît, reviens. Alors, d'accord, je t'aime bien. On dit à la fin. D'accord. Ce que tu peux contrôler, même. Les vrais amis, c'est sacré. C'est ça, je ferai. Ça va pas, non? Pourquoi moi? Je ne peux pas être le prisonnier. Je veux les mieux habillés tous. Hein, pourquoi? Je ne peux pas être le cheval blanc. Je prends le blanc. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai le cheval blanc. Et s'il te plaît pas, je t'en donne un coup de bras. À Versailles, un, pom, bouge pas. Oh, je suis le shérif. Il sera tous en cause, disant qu'elle était prisonnière. Elle fit parce qu'on s'en soufflait à rouler, elle était tombée dans l'air. Et moi, je pleurais. J'ai eu que si j'étais chez moi, que je l'ai pu le voir. On rigolait bien, terrible. Et puis, papa sortit de la maison. Les enfants, qu'est-ce que vous avez qu'à armer? On faisait comment s'amuser gentiment. C'est à cause de chez moi. Des gens francs. Allons, les enfants. Je vais vous montrer comment vous avez fait ce mot. C'est la main. Nous avons attaché. Nous avons vu monsieur Bledur. Aide du jardin. Monsieur Bledur, c'est nos voisins. Qu'aime bien taquiner papa. Moi aussi, je vais jouer. Je serai les peaux rouges, taureaux, de bon.
sors de ses plaisirs, t'as pas sonné. Le visage part, tu lances la langue. Ah! Tout est détaché l'arbre. Monsieur Bledir, c'est mieux. En poussant des cris, il me dirait bien. Monsieur Bledir, ça me faisait bien la guignarde. Mon papy, parce que maman nous appelait pour venir. On peut aller jouer dans ma chambre. Ce que je n'avais pas, ce que maman et ce que papa, monsieur Bledir, était parti plus longtemps. Mon papa était toujours attaché à l'arbre, à crier, à faire des grimaces. Je veux d'avoir s'amuser tout seul comme ça. Merci aussi à vous d'avoir suivi moi sur cet épisode. Ah, j'espère que vous la trouverez très belle. Ciao, à bientôt. Je retournerai dans un autre épisode d'aujourd'hui dans lequel je vais parler des sujets. Alors, ciao, à bientôt. Abonnez-vous sur ma chaîne.